Donc moi je suis coréenne, je suis née en Corée, à Séoul, et je suis arrivée à Paris quand j'avais 9 ans. Je pense que les influences, c'est tout ce que j'ai vu, j'ai vécu quand j'étais là-bas, mélangé en fait à tout ce que j'ai vu et j'ai vécu ici. C'est vrai que parfois c'est très très dur, parce que j'ai l'impression d'avoir une double, comme si j'avais une double personnalité. Donc ça a été très très long. La construction en fait de ma personne, de moi-même, a été très très longue. Et c'est vrai que je me sens coréenne en fait. Il y a quelque chose, enfin, c'est dur à expliquer, mais il y a quelque chose en fait dans le sang qui est. Que je ne peux pas réfuter, que je ne peux pas oublier ou. Et des choses très très instinctives en fait. Et c'est vrai que je travaille beaucoup de façon instinctive. C'est aussi pour ça que je dis que l'expérimentation c'est très important pour moi parce que je découvre quelque chose qui me fait découvrir une autre chose. Et c'est empirique. J'ai transformé la forme classique de la peinture sur châssis en une autre forme qui évolue chaque jour en fait parce que j'arrête pas de faire des tests, de faire des expérimentations avec ce que je trouve, les matériaux qui m'intéressent. Donc là en ce moment c'est vraiment le latex, ça fait plus d'un an et quelques. Que vraiment j'expérimente tout avec le latex. Quand j'ai commencé à faire des formes comme ça, j'en ai déchiré plus d'un parce que je perdais complètement patience, mais avec le temps, j'ai appris. Et au début, c'était comment je peux utiliser le latex comme une seconde peau et sur laquelle je peux faire exactement comme si je faisais un travail de peinture. L'idée aussi de que la peau quand même représente l'ADN en fait. La question d'identité en fait qui est clairement, clairement très importante pour moi. J'ai vraiment une fascination et une obsession pour les yeux. La larme qui coule des yeux, je trouve ça assez incroyable. Je pense, ouais, ce crochet, ça ira très très bien. Donc il y a cette forme de larme qu'on retrouve dans mes pièces, je pense. Cette forme de goutte, en fait. Et c'est vrai que pour moi c'était enfin tout nouveau parce que la préhistoire, j'avais aucune connaissance, mais vraiment aucune connaissance. Et j'ai pu découvrir plein plein de choses, enfin par cette résidence parce qu'on a eu pas mal de visites, donc des grottes, des musées, des facsimilés. Déjà c'est les traces de la base de l'humanité en fait qu'on voit. Et en fait, en étant artiste et en ayant conscience aussi de l'histoire de l'art, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup touchée et émue, en fait. Et c'est sûr que ça va me nourrir et que ça va ressurgir peut-être à des endroits que j'attendais pas du tout, du tout. Et comme ça, je vais pouvoir continuer mes expérimentations.